Sissi. Donne-moi la Sissi. Donne la Titine. Fais coucou. Ok. Tu veux le jus? Tu veux le jus? Viens, t'as qu'à bien. Mon père, il va y aller à la maison et il revient. C'est papa. Il est où, papa? Papa, reviens. Oh, papa? T'emmène. Papa, reviens, il a dit. Il t'a un œil, hein? Il y a un petit bête. C'est dans cette salle? Oui. Bonjour, je suis Jamila Awash, je suis présidente de l'association Il fait bon vivre dans ma cité. Je suis défense de locataire et je suis conseiller citoyen, je fais un peu de tout. Et aujourd'hui, on parle un peu de nos quartiers Est. C'est des quartiers prioritaires, il y en a quelques-uns, il y en a pas mal dans Marseille. Et justement, on dit qu'un peu c'est les enfants oubliés un peu, parce que la cité est très très grande, plus de 6000 habitants. Ça me demande quoi. Jamila, elle te demande. Qui? J'arrive. Il y a quelques associations sur place, comme la conciergerie, comme la jeunesse d'Herbel, qui avait fait des grandes kermesses trois fois pendant l'été. C'était super, c'était animé, c'était joyeux. On s'est tous retrouvés dans les grandes places que nous avons dans la cité. Et on met tout en œuvre pour essayer de faire un peu d'animation, des sorties, des petits voyages, pour voir autre chose que la cité qui est en PV. Ça veut dire que vraiment, il en faut, il faut du soutien. Et nous, on fera toujours en sorte que ça se produise, pour garder cette joie, ce sourire dans tous les visages. Parce que les gens n'ont plus confiance, ils voient un avenir noir. C'est vrai parce qu'avant on avait un chalet. Moi personnellement, quand j'ai fait mon fiançaille, je me suis fiancée dans le chalet. Avant tu pouvais le louer. Ils m'ont fait la location 80 euros. Maintenant on va demander la location, il n'y a plus rien. On va demander pour faire un anniversaire, il n'y a plus tout ça. On ne peut plus le faire. Ils n'autorisent plus ou le bâtiment il n'y est plus? Ils n'autorisent plus, on ne peut plus. Je suis quelqu'un que j'aime faire la fête, j'aime faire profiter les gens. D'accord? Donc je me mets à la pelouse en bas, je loue des tables de mes propres moyens, je fais mes petits anniversaires, il y a la musique, tout le quartier est bien, tout le monde est content, on se met tous ensemble et on danse tous ensemble et on fait la fête tous ensemble. Ça donne un peu de joie et tout le monde s'amuse. En gros, ce qui est triste, c'est tous ces enfants maintenant, ces jeunes c'est enfants, la nouvelle génération. Nos enfants, ils n'ont rien pour s'amuser. Il y a des adolescents de 11 ans, de 14 ans. Tellement qu'il n'y a rien, ils vont résoudre les petits maintenant. C'est exactement ça. Ils sont avec les jeunes, ils leur font faire de propres petits barbecues, ils sont contents. On arrivait là, mais c'est pas la peine. Lève-toi. J'ai pas un bébé. Ouais, c'est bon. Quand tu réfléchis bien, c'est vrai que c'est malheureux. Ouais, c'est nous, on s'éclatait plus qu'ils s'éclatent, nous, nos enfants. C'est vrai, moi, quand je leur disais avant, vous ne pouvez pas comprendre mes enfants, ce qu'on vivait avant, ce qu'on faisait avant. Hier, j'étais là, je leur disais, tu te rappelles, avant Nadia, quand on allait à la DAP, là-bas, ils nous sortaient en colonie, pâté, ils nous amenaient tous les soirs au restaurant, comme une genre de colonie, en Camargue, on restait des 7 jours, tu vois. C'était le feu, la bombe atomique. Mais c'était animé, c'était ambiancé. À l'époque, on n'avait pas la foire qui venait, les voitures tamponneuses, on avait le signal, on avait les ânes, tout ça qu'on promenait et tout. Vous avez oublié tout ça? Ouais.
Même les moniteurs, ils étaient géniaux. C'était super. Maintenant, il n'y a plus le centre. Maintenant, il n'y a pas avant, tout ça. Putain, on allait à la piscine, on allait au parc. Ils s'amusent, mais dans l'école maintenant. Ouais, mais ils font rien quand même. Aujourd'hui, ils font rien. Tu te regardes, tu te laves. Mais avant, ils se régalaient au centre. Avant, ils se régalaient maintenant. Avant, ils sont partout. Non, mais ma fille, je lui dis, je t'inscris au centre. Elle me dit, ah non, pas du tout. Pour rester à l'école, là, c'est pas la peine. Moi, je sais qu'il y avait tous les mercredis le volet, Ami. On allait faire du volet au stade de la Pomme. Oui, ça, c'est vrai, c'est bien le volet. C'était ma passion, le volet. Je meurs pour le volet, moi. Le volet et l'escalade, je meurs pour le volet et l'escalade. On parlait de ça avec Aspania. Tout le temps, on avait des activités, même le week-end et le mercredi. Même au centre-entraînement, on n'était pas à l'école, on était dans les activités. Avant, on avait les bus gratuits qui passaient. On prenait le spécial. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus. Ils nous ramenaient à la plage, ils venaient nous chercher, ils nous ramenaient chez nous. Ah ouais. Et nous, on a pris le spécial, bien sûr. Regarde, moi personnellement, ma plus grande, elle a 14 ans, tu vois, ça aurait été bien qu'il y ait un bus spécial. Il prend les petits, il les amène à la plage, et il y a une certaine heure, il reprend les petits, il les dépose, tu vois. Ça, c'était pas mal. Pourquoi pas remettre ce système-là? L'RDM peut mettre à disposition ses anciens cartes qui gardent dans des hangars qui ne servent à rien. Et de faire le tour des quartiers en QPV et de prendre ses enfants, même ses familles, à les pique-niquer au Prado. Ah, franchement, c'était génial. Et ça arrangeait tout le monde, ça faisait plaisir à tout le monde. On était en groupe. D'accord, nos parents, ils savaient qu'on était dans le spécial. Oui, d'accord, et ils savaient que le spécial, il allait nous ramener à telle heure. On ne pouvait pas le rater. Exactement. On ne pouvait pas le rater. Non, c'était super. C'était familial, c'était bien. Et c'est un miracle. Oh. Bon les gars, une minute il reste, hein. Une minute. Bon les gars, on joue à terre et tout ce qu'on joue en face, on va être marqué. C'est une grâce, normal. Lui il est bon. Après on a les jeunes, heureusement qu'on installe et que ces jeunes ils viennent, qui font des compétitions, s'il n'y a pas ça, franchement, regarde-le. Les enfants ici, ils aimeraient bien sortir, ils aimeraient bien faire ce qu'on faisait nous avant. Prenez-les, allez-y devant la plage, il y avait nous, il y avait le volet, on jouait au volet, on s'éclatait, ils nous sortaient, on s'éclatait. Se retrouver à aller manger le blast entre petits jeunes, ça n'existe plus, il n'y a plus de pitié. Tu prends la petite budget, c'est bien cool, je sais pas chuter. Ah, j'en sais, c'est... Ça s'est fait petit à petit. C'est fini.